Et je crois que... Ouais. Bonjour à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien et on est avec Sansan. Oui. Et oui, parce qu'on fait une ouverture, les ouvertures Pokémon c'est toujours tous les deux. Aujourd'hui c'est Sansan qui a choisi. Alors raconte-nous un peu ce que t'as choisi et pourquoi. Vas-y, je te laisse présenter ce magnifique coffret. J'ai choisi un coffret Jirachi pour rendre un petit hommage à Miss Jirachi. Vous savez pourquoi normalement? Voilà, on fait un petit hommage à Miss Jirachi. C'est difficile. Mais en tout cas, c'est cool ce petit coffret parce qu'on a une belle carte promo. On l'avait acheté il y a longtemps à Carrefour. On était tombé dessus, on avait craqué. Malgré qu'il soit ouvert au niveau du blister. Il était ouvert de base, mais on a dit c'est pas grave. Dedans, vous retrouvez des trucs assez anciens, entre guillemets, hein, du XY Impact des Destins et du XY Offensive Vapeur. L'extension avec laquelle on a commencé sur la chaîne S Family avec Alès. Donc deux boosters de chaque, donc on va sûrement ouvrir un chacun, quoi. Ce petit coffret Jirachi est aussi doté d'une carte jumbo et d'une carte promo comme d'habitude. Là, c'est la même en plus. Ouais. Sympathique. Et joli, une simple holo cette fois-ci. Ouais, c'est même pas une full art pour une fois, mais j'aime bien. Ouais, elle est sympa. On s'ouvre ça et on check mon boutique. Il y avait un truc caché dans ce coffret. Il y avait pas seulement 4 boosters. Mais attends, c'est quoi le derrière? C'était marqué? Ah, c'est marqué derrière 5 boosters. En fait, on a un Rupture Turbo. Ok? Excellent. Bah, c'est cool. Donc, on a un Lugia Turbo. Il est classe. Ouais, j'aime trop. Et Zygarde. Voilà, Zygarde, ok. C'est plutôt sympa. Mais j'aime pas Zygarde. Ok, donc tu choisiras Lugia, quoi, c'est ça? Oui. Bon, bah, direct, tiens, on va Lugia. Si. En tout cas, en Offensive Vapeur, on a Méga Volcanion, je sais plus. Et là, Méga Gardevoir. Qui est trop classe. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien aussi Méga Gardevoir. J'aime pas trop. Ouais, mais t'as choisi Lugia. Donc, d'accord. Tu prendras Volcanion. Je m'en fous. Et là, on a un magnifique Léviator Shiny. C'est Méga Léviator Shiny, je crois, ou Mega Léviator, je crois qu'il est forcément de cette couleur, je sais plus. Je vais aller voir ce que je trouve en Rupture Turbo. Sinon, moi, je prends le Léviator. Eh, hey, c'est trop marrant! En Rupture Turbo, il m'en restait plus qu'un. Et c'est le Amphinobi Turbo. Bah, donc... c'est bon, c'est pour toi. Ok, pour moi, je prends le Léviator. Là, la petite carte promo, on vous la montrera bah, quand on ouvrira les boosters. Et bah, on peut vous montrer quand même la grande jumbo. C'est la XY67. L'holographisme est très beau. On n'a pas l'habitude en fait d'avoir une holo en grande. Du coup, l'holographisme petit point, bah, ça ressort bien quoi. Les couleurs sont magnifiques aussi. Oui, mais c'est vrai, t'as raison, le bleu avec le vert et le mélange avec le jaune, ça marche bien, c'est des couleurs qui vont bien forcément ensemble. Ouais. Après, tu vois, c'est ce qui est dommage, c'est le type acier. C'est ce que j'allais dire. Acier, c'est pas beau, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le... ça aurait été un type fée encore, ça, bah ça, ouais. Ça serait beau. Qui commence l'ouverture? C'est comme tu veux, est-ce qu'on fait un chifoufou? Toi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commençais la dernière fois. D'accord, bah je commence. Je commence cette ouverture forcément par vous montrer la petite promo Jirachi, bah qui est plutôt jolie, hein. Vous le voyez bien en bas, c'est le même holographisme, c'est le même délire. J'aime bien la position du Jirachi aussi. Après, il y a un truc qui me choque un peu, je trouve. Il y a une différence entre le fond et le Pokémon. Je trouve à moitié comme s'il était en SD, pas en haute résolution de Pokémon. Il y a un truc bizarre. Bon, dans quel ordre on fait? Moi j'ai envie de finir par Offensive Vapeur avant Impact du Destin. On va commencer par Rupture Turbo. 1, 2, 3, 1, 2. Et on commence avec Shaglam. Oh. Pokémon à la noix, mais c'est pas grave. Fluvetin. Lixi. Oh, il est trop chou. Mais l'illustration est tellement moche. Monorpal. Bande espiègle. Il est espiègle. Safrousse. Oh, on la voit rarement cette carte, je trouve. Flagados. Karmash. Il chasse. C'est ça. Et puis il donne Karchakrok plus tard qui est dans Pokémon. Il est cool. En reverse, nous avons Triton de le fameux Pokémon avec les sourcils dégueulasses. Mais je le connais pas du tout. J'ai jamais vu ce Pokémon. C'est un tétard avec des sourcils en mode épilé. Et je crois que... Ouah. La 122 sur 122. Est-ce que tu veux que je check? Non, je m'en fous, je sais d'accord. Que je l'ai pas parce que pour moi c'est une dresseur. Je suis pas sûr, mais là, vu la gueule que ça. Oui. Et je crois que c'est une dresseur full art, mais c'est. Attends, mais c'est trop bien les ouvertures! Oh, si c'est une dresseur. Oh! Carolina! Et je sais pas si je l'avais pas. Mais elle est trop belle de ouf, Carolina! Oh là là! Carolina! Tu l'avais pas, Carolina? Yes! Ouais. Vous connaissez mon amour pour les dresseurs full art. J'adore. Même plus que les Pokémon Full Art, je suis très très content. La position est avec cool. C'est gros lolo. Bah, ce manga après, c'est normal. Bah, tu ouais, vois. J'aime bien. Moi. Mais elle est vraiment jolie. On enchaîne avec Impact des Destins. Et on commence avec Nucleus. Oh. Trop mignon avec le petit coquillasse. Hein. C'est des cartes qu'on a déjà vues parce qu'on a fait la rétrospective XY, hein, forcément. Oui. Scrutella. Chinchidou. Chuchmure. Chinchidou, Chuchmure. Après, je vais voir quoi. Chouchmouchmouche. Ah non, Fennec. Oh, bon, ouais. Ça marche pas. Alors. Lamantine. Ah, cette carte, on l'avait pas vue la dernière fois. Elle est cool. J'aime bien ce Pokémon bien. En plus. Ouais, il est cool. L'évolution de Taria, donc on aime bien. N, le dresseur. Fossile Nautil Ammonita. Très dur à dire, hein. Fossile Nautil. Fossile Nautil. Pas fossile, ça c'est communiste, ça n'a rien à voir. Chunity en reverse. Allons-nous avoir autre chose? On ne sait pas. Peut-être que j'ai la chance de ouf. Ah, c'est cool en ce moment, hein. J'aime bien. Non, mais c'est bon, je vais m'en aller, hein. Je vais laisser Saran ouvrir ses petits boosters. En vrai, ce coffret est quand même assez ouf, on est d'accord? Salut, je sais pas, mais moi je suis content. C'est une ex, toute simple, à vue de nez, la 64 sur 124. Oh, Genesect X, je ne l'avais pas, c'est sûr. Mais... elle est tellement belle. J'adore l'œil, le reflet dans l'œil. Oh, elle est cool. Elle est trop belle.
Eh mais c'est trop bien. Eh t'imagines toi, la chance que j'ai. Ok, bah on continue avec Offensive Vapeur, on est bien lancé. Allez, on espère avoir rien, c'est l'inverse des cartes de ces trucs. On espère rien avoir, ce serait bien. Cradopo, qui est trop mignon. What? Une de bête. Yeah. Funessir, Granivol, qu'en ce moment j'arrête pas de choper sur Pokémon Joe, avec la troisième G. Miaouss, Pokémon Ranger ou Pokémon Rangé, quand on veut ranger son Pokémon. Nidorino, première G, ça fait plaisir aussi. Champ en feu, hein, l'évolution du starter Wistikram, hein, les starters les moins aimés des starters singes, mais ils sont plutôt cool. Démanta en reverse, et j'espère avoir rien cette fois. La 70 sur 114, et là j'ai une holo. C'est ce que j'allais dire, mais là c'est une holo. Ah non, Bastiodon. Oh, c'est nul. Ouverture de merde, franchement. Eh, c'est vrai, c'est cool les gens. On va passer à l'ouverture de 500. On va voir si elle a autant de chance que moi. J'en doute fort, hein, je vous le dis clairement. Mais sait-on jamais, j'ai envie de vous dire. Sait-on jamais? C'est sardine jamais. Je n'ai pas compris sa blague. Poisson. Yoch, alors du coup, tu fais dans le même ordre que moi ou pas? Non, je vais garder mon léviator pour la fin. Okay. Je vais commencer par le plus moche et je vais... Voilà. Donc Offensive Vapeur, tu commences. Donc le ouais, dernier par lequel... Ouais, toi, parce que c'est plus drôle. Ok. Alors, allons voir sur Offensive Vapeur un peu ce qui se passe pour voir si Sanson peut nous avoir quelque chose de ouf. Alors, il manque des ex. Si tu pouvais m'en choper, ce serait bien. Ok. Merci. On commence avec Passe Rouge. Je l'ai. Petit oiseau. What a what, encore une fois. Baudrive. Cap humain. Pyronille, la fossile Griffanorite. T'as vu que c'est dur à dire fossile. Fossile. Ouais, attends, j'arrive pas. Et comment ça se fait ce soir, on a un problème avec les fossiles. Ouais, je sais pas. C'est toi le vieux fossile. Oh bah je t'emmerde. Pifeuil. Oh trop mignon. Une des plus belles illustrations ouais, de cette série. J'aime bien avec le flou. Là. Regarde la photo en fait. Ouais, c'est cool. Grave, c'est trop bien fait. Un lien spirituel Gardevoir. Oui. Le chimpanzé feu en river, ce que tu as eu tout à l'heure. C'est tout cool. À fait. C'est là combien que tu as? Oh okay, ouais. Mais c'est trop bien. J'avais senti que j'avais quelque chose. Ah bon ouais. Mais ce coffret est trop bien. Je voulais pas le dire parce que je me suis dit si je dis que je sens quelque chose et que j'ai rien, j'ai l'air. Mais il est bien ce coffret. Ou c'est moi? C'est la combien? 75. La 75, je regarde pas ce que c'est. Je l'ai pas. Et c'est. Waouh, elle est trop belle. Magearna X. Elle est classe, hein. Je suis trop content. Elle est tellement girly, j'adore. Ouais, elle est grave. Trop, trop belle. Et tu peux me battre en fait, il te manque une foulard et tu m'as battu quoi. Ouais. Non, mais on a trop de la chance, c'est un truc de ouf, hein. Ça fait plaisir. C'est vrai que les gens disent que les coffrets sont chanceux, mais là pour le coup, ouais. Alors, est-ce que les nouveaux, j'ai pas l'impression. Alors après, faut pas commencer à faire des stats qui ne veulent rien dire, mais là en fait, c'est un ancien coffret et, et j'avoue que bah waouh quoi. Non, moi j'ai mon booster qui venait pas de ce coffret où il y a eu la foulard. J'avoue, là c'est un peu de la triche, mais on a quand même deux ex qui viennent du coffret. Donc, comme quoi. Et là, tu ouvres encore un booster qui vient du coffret. Oui, moi, oui, ils viennent tous. Ouais. Ok, ouais, bon, bah. Surtout le Léviator, je mise beaucoup sur mon Léviator. On commence avec Rondoudou, que je n'arrête pas de choper sur Pokémon Go. Riolu. Otaria. Ambridex, qui est ambidextre. Elle va nous faire des blagues à chaque fois, elle va pas recommencer avec ça, c'est pas possible. Vosturno, qui tourne en rond. J'aime bien Vosturno, il est trop mignon. Il est chaud avec son petit cœur sur le bide. C'est ça. Il est trop mignon. On a envie de faire un Kala. Un Kalinou. Un Kalinou. On dirait un Porg un peu. Oui, c'est vrai, on dirait un porg. La référence à la vidéo de... Lianaja. Oh là, il y a eu un problème de nom. Lianara. Lianara. On la cata, Liana. Oui, bien et tout. Chenizel, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Eh ben, c'est une sorte de chenille, mais dans un cocon. Infect. J'aime bien ce Pokémon. Oui, parce qu'il est comme toi. Oui, il est infect. Smogogo. Ah, on l'a pas souvent, Smogogo. Non, c'est vrai. La 29. Ah bah là, je l'avais, elle est cool. C'est une petite holo. Oh, la Mew. Je l'avais, mais elle est mignonne. J'avoue, c'est, ça fait plaisir. Elle est pas holo? Bah si, elle l'est carrément. C'est pas flagrant quand même. C'est un holographisme, pas petit point, c'est vraiment un holographisme sur le fond, et moi je trouve que ça rend bien. C'est marrant. Regardez, on dirait qu'elle est en 3D en fait, qui ressort. Bon bah, petite holo, ça fait plaisir. De toute façon, je vais finir avec un truc full art à la fin. Si t'as une full art, t'as gagné, parce que t'as eu une ex, une full art et une holo. Est-ce qu'on en demanderait pas un peu trop sur 6 boosters? Parce que là, les 6 boosters, quand même, on a eu une full art, deux ex, une holo. Un moment, au niveau des stats, ça va peut-être aller. Non, mais attends, tu dis tout ça pour que je perde, c'est ça, et que tu gagnes? Bah, je suis pas contre. Moi, je vais prier le dieu des Pokémon. David Lafarge, s'il te plaît. Moi, je vais prier la déesse des Pokémon pour gagner. Mais Jirachi, c'est ton coffret. En plus, ils se font la guerre dans le ciel, les dieux. Allez, ton Mega Léviator. Mega Léviator qui ressemble à une crevette. Oh, Mega. Bah, c'est vrai. Je suis désolé. C'est une crevette, Mega Léviator. On commence avec Grenipio. Oui. Pio. Quoi faire? Il est trop drôle, non, XY. Ramolo. Oh, j'aime bien cette illustration, je la connaissais pas. Ah bon? Surtout avec le petit coquillage qui tire la langue. Mais ouais, et les canetons et tout, c'est trop mignon. Oh, ratata. Rapion. Oh, il est trop bizarre. Bah, c'est un espèce de... Un serpent? Non. Un cygne. Une menthe religieuse. Mais non. Un dragon. Mais non. Un tyrannosaure rex. Une ruche. Mais non. Le truc qui marche avec un pic à l'arrière. Un scorpion. Merci. Oh putain. Regarde.
Ouais, bah il a une grande queue, ton scorpion. Mais comment tu veux que je fasse autrement? Je peux pas avoir des plus petits bras. J'ai mimé le scorpion pendant 5 ans, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit une loutre, limite, quoi. À la fin, c'est parti sur l'autruche. J'en peux plus, une autruche. Battre acné, il y a de l'acné. Bah non, mais l'évolution des mecs avec les sourcils chelous. Ah oui, d'accord. La potion. L'énergie spéciale. Oh yeah. Waté. Oh, et bien, nous avons la ceinture furie combative. Elle est belle, cette carte, ça. Ouais, j'aime bien aussi. Ah, je l'avais même pas en normal, cette carte. Ah bah. Je l'avais pas du tout. Il l'avait pas du tout. Bon, c'est intéressant, du coup. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Je suis content. Est-ce que t'as quelque chose? Dis-moi que t'as. Oh, alors, elle est accrue à son booster. La combien? La 35. Je l'ai. C'est de la merde. Oh, c'est encore l'évolution du truc avec les sourcils. Oh non. Allez. C'est horrible de finir avec ça. Oh non, je suis tristoune. C'est pas grave, j'ai gagné. J'aime plus Léviator. Voilà, t'es nul. On fait un petit récap, du coup. La carte promo, la fameuse Jirachi holographique, qui est magnifique. Sympa. Sympa. Moi, j'ai eu du coup un petit Mew holographique. On voit pas très bien l'holographisme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais surtout avec un... la pochette. Hein. Voilà, avec la pochette, on voit encore moins. Mais c'est un holographisme très léger. Moi, j'aime bien, du coup, pour le coup. Mais... c'est subtil. Ça rappelle les anciennes cartes où les holographismes, pour certains, étaient très légers. Même d'ailleurs, on a du mal à les repérer. Et la Magearna X, qui est magnifique. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir vue. C'est une très belle X, ouais. Ouais. Et moi, j'ai gagné parce que j'ai eu... la Genesect X, avec son œil qui fait chouing. Je trouve qu'elle est encore plus belle que celle que t'as eue. Moi, je préfère la mienne. Ah, je sais pas. Genesect, en plus, c'est un Pokémon que je trouve très beau, donc voilà. Ouais. Peut-être que je suis un peu aussi influencée, j'en sais rien. Ouais, surtout la Carolina, hein, la Full Art Dresser, qui est juste magnifique. Ça fait plaisir. Elle est parfaite. Ça fait très plaisir. Et ouais. J'ai gagné ce duel, comme d'habitude, on peut le dire. Comme d'habitude. Ouais, je suis c'est un moi peu... qui ai gagné les 30 derniers. Les 30 derniers, c'est pas vrai, t'as gagné les 28 derniers. T'exagères tout le temps sur tes propos, c'est un truc de ouf. En ça, tout ça cas, je suis très content. Tu n'avais pas gagné. Hein, je te trouve un peu dur. C'est une mytho celle-là. Dites-le dans les commentaires, c'est une mytho. En tout cas, très content de cette ouverture. Une belle ouverture. Je pense que ça vous a plu aussi. Là, il y a des belles cartes. Sans déconner. Ouais, on vous montre pas de la merde, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du hasard, mais on vous montre pas de la merde. Bah, du coup, c'est la déesse Miss Jirachi qui a gagné contre le dieu David Lafarge. Ils ont dit de pas prendre parti, mais pour le coup, on prendra parti pour Miss Jirachi. Hashtag team Miss Jirachi. On vous fait plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça ferait plaisir. Et en commentaire, dites-nous votre carte préférée. Si vous préférez Genesect ou Magearna. Moi, je préfère Genesect, hein, clairement. Magearna. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une ouverture. Bah, samedi prochain, ce sera de la pop. Et du coup, le lendemain, ce sera Noël. Il y aura une petite surprise. Oui. Eh oui. Plein de bisous. À très bientôt, ciao.